Eh bien, salut, je suis Sangoten5, on se retrouve sur Steep, la bêta, un jeu de sport d'hiver. Donc on va commencer tout de suite là, c'est un genre d'open world, voilà, je vous en dis pas plus, genre je sais pas trop comment ça marche l'open world, mais on va voir ça tout de suite. Sprinter R2. Bon allez, on va se rendre au point où on doit y aller. Ah, il est lent le bonhomme. Hein. On dirait qu'il est encore dans la neige. Je dois faire quoi? Pour sélectionner le wing, ouvre le menu sport. Non, maintenant, R1. Utilise L vers le bas pour sélectionner le wing. Suite, relâche R1 pour fermer le menu des sports et valider ton choix. Ok. R1. Ça, je crois, ouais, c'est ça. N'oublie pas que tu peux enfiler ton costume d'écureuil n'importe où et n'importe quand. Il faut simplement que tu repères le spot idéal pour un saut réussi. Plus dans le jeu, il fait froid et en plus, quoi, je suis enrhumé, donc ça va bien avec le thème. Oh, ça a l'air simple, hein. Maniabilité, long tir, ouais, bah ça fait un peu à la GTA. Un petit peu. Il a l'air sympa comme jeu. C'est pas un jeu que j'achèterais en priorité, parce que c'est pas le genre de jeu que j'aime bien. Ouvrir parachute. Hop, s'il fait. Merde, je suis mort. À partir de là, c'est snowboard à fond la caisse. Dans le pauvre. Je veux voir à quelle vitesse tu passes de l'un à l'autre, parce que tu vas le faire souvent. Ok, monsieur Lavoie. Let's go. Donc ouais, c'est pas un genre de jeu que j'achèterais, et puis c'est rare les jeux comme ça. On verra ça par la suite. Hein. Je fais ça, je dis, et puis là je vais l'ouvrir. Ah, il s'ouvre vite hein, le parachute. Ouais, graphiquement il est beau, ça va. Maintenir pour contrôler l'atterrissage. L2. Attends, L2 c'est là. Ok. Atterrissage contrôlé, yes. T'es prêt? Montre-moi ce que tu sais faire. Ah ouais, puis maintenant je peux enchaîner par le snowboard par exemple. Oh, c'est bien ça, franchement. Ah ouais, c'est sympa. Et les figures, je peux pas les faire. Non, t'as des figures. On verra ça par la suite, hein, à mon avis. C'est un truc là. Ok. Le fail. Il le fait tout seul les trucs, ok. Non, mais je t'ai pas demandé de le faire tout seul. Hein. Je peux pas sauter. Ah si, la croix. Ça c'est plutôt un jeu pour se détendre. C'est le bon moment dans la neige. Ok. Ça va, personne n'est parfait. Là il a bien bouffé la neige. Il dit ça va, personne n'est parfait, il a dit le personnage. Ah d'accord. Vers le bas utilisé pour contrôler trajectoire. Donc si je mets vers le bas, ça fait ça, une glissade. Ouais, c'est pour s'arrêter. Donc, tirer vers le bas. Bah, elle aussi, ça le marche, non? On va utiliser pour tirer vers le bas pour freiner et contrôler la vitesse. Et si j'ai envie d'aller vite, je fais quoi? Vers l'avant? Yes! Oh, j'entends des loups. Est-ce qu'il y aurait des animaux dans ce jeu? Pourrait être sympa. Une fluidité parfaite. Allez, on retourne au camp de base. Regarde ta carte, il se trouve près d'un pic appelé la tête du Danais. Ça devrait pas être trop dur à trouver. Les camps de base sont indispensables. Tu t'en sers pour explorer les environs et pour découvrir de nouvelles descentes. Pour aller à la vue montagne, maintenir jusqu'à... Ok. Là, je peux me TP là-haut.
commencer ici. J'ai choisi cet endroit parce que c'est un point central dans les Aravis. Observe les environs et tu verras ce que je veux dire. D'ici, tu peux aller où tu veux, mais il faut qu'on étende notre domaine à d'autres lieux pour ouvrir de nouvelles descentes. J'ai fait un repérage dans quelques zones qui semblent intéressantes. Attends, comment on fait pour descendre du bonhomme? J'ai envie de courir là, mais... comment faire? Non, non. Ah, il y a vu FPS. Non. Ouais, ça rend moins bien, mais... Ah, voilà. C'était R1 en français. À partir du corps de base d'une drop zone ou d'un point de départ, tu peux rider où tu veux. Les jumelles. Bon allez, c'est parti. Non, je vais pas changer de sport. Moi. Je vais mettre. Non, j'ai pas envie de. Non. Plutôt position initiale. Rond. Retour vers personnage. J'ai envie de mettre mon truc là pour y aller là. Enfin, ma planche. Est-ce qu'il va le faire tout seul? Attends. Bah non. Ah voilà, ok, faut faire ça. Peut-être j'avais une autre touche, mais j'ai fait ça. Un petit saut. Pas non. Oh, 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 les sapins. Oh, 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 on s'est bien sorti. Plus 2 minutes après 6 points. Il va mourir, mon bonhomme, ou quoi, là? Tu crèves pas, hein, mec. C'est génial, non? Allons voir l'autre endroit que j'ai repéré. Maintenir, ok. Je veux pas réessayer, non. On va faire ça. Ok, ça marche. C'était R1, je crois. Sans enlever du snowboard. Ah non, marche, d'accord, ok, c'est ça le mode marche, ok. Il y a de la musique en plus. Attends, je vais couper ça. Sur audio, voilà. Jouer de la musique sous copyright. Ah, c'est bien ça. Si tu veux faire les vidéos sans copyright, bah oui alors. Non, bah non, c'est non. Bah, attendez. Jouer de la musique sous copyright. Oh, maintenant, je sais pas si ça marche, mais de toute façon, avec le nombre de vues que j'ai. C'est pas ça qui va faire gagner du podium, comme on dit. Et c'est pas mon but principal. C'est de vous faire apprécier ce jeu tel qu'il est. Là, je crois que j'ai coupé la musique en faisant non. Bon, c'est pas grave. Au moins, on entend les bruits de pas de la neige super bien réaliste. Donc là, on est en mode marche, du coup on se met en mode snowboard, du coup voilà quoi, il se met comme ça, d'accord, ça marche. Alors on va pour la caisse. Bon, si on peut pas sauter, c'est pas marrant, hein. Franchement, c'est pas drôle si on peut pas sauter, peut-être après. Ah, c'est carré, je crois, sauter. Ah, ok, non, bah non, enfin, je sais pas, on verra. Peut-être par la suite.
Ah si, garde sauter un petit saut. Je suis carrément planté. Non, pas là-bas. Bon, on va aller en mode marche. On peut pas. Bon, on va réessayer au pire. Essayer. Voilà, comme ça. Ah d'accord, il fait des filles. Ça. Oh, le mec, oh, il a gueulé. Je lui fais faire n'importe quoi, le pauvre. Il y a plein de descentes et d'endroits comme celui-là dans la zone. Quand tu les auras trouvés, utilise le terrain pour varier les plaisirs et montrer à tout le monde que t'es capable de passer d'un sport à l'autre. Tu sais, comme tu m'as déjà montré. Ok, mec. Certains des riders m'ont dit qu'il y a quelques descentes magnifiques non répertoriées par ici. Reste plus qu'à les trouver. Et souviens-toi que c'est pas parce que c'est pas sur la carte que ça n'existe pas. D'accord, en fait, il veut dire que la minimap n'est pas totalement découverte, qu'il va falloir le découvrir soi-même, tout en explorant les alentours de la map. Ça s'affichera sur la map quand on sera passé devant. Non, c'est plus des jumelles qui s'y fait. Oh, équipe, t'as des jumelles. C'est bizarre en FPS. Bon, tu vas te mettre en mode marche. Je peux pas ou quoi là? Ah voilà, je peux. Je crois que c'est une drop zone idéale. Rends-toi sur place pour qu'on puisse se faire une meilleure idée. Ok, d'accord. Du coup, je vais devoir faire. Je sais pas. Une vue de montagne, sûrement ça. Ouais, voilà, comme ça. Ok, comment c'est ici? Ouais, c'est là. Il y a tout un tas de descentes par ici où les autres riders ont fait des exploits. Si tu veux laisser ton empreinte, tu vas devoir les descendre aussi et envoyer du lourd. Il faut sortir toute la panoplie et essayer de faire mieux que ceux qui t'ont précédé. Alors, ouvre grand les yeux. C'est parti! Donc là, je vois des personnes. Je sais pas si c'est des gens comme moi. Ou des PNJ. Ah, ok. Bon, ah, on y va. Les mecs, ils sont chauds là. Ils sont en ski. Ok, moi je suis en snowboard. Vas-y, on va le dépasser. Là. On y va. Déjà, les deux ils sont derrière moi. Et l'or en fait c'est devant, d'accord. C'est en gros c'est argent, bronze, or, ok. Donc là si je dépasse pas l'or c'est que je suis en argent. Normalement, en principe. Oh non, bah non, putain, il y a un rocher qui me bouge, qui m'a gêné. Bouge de là le rocher là. En tout cas le costume, j'aime bien la couleur et tout, il est beau. Son petit équipement de ski là.
Une médaille d'argent, voilà, c'est bien ce que je disais. Cette ligne t'a permis de mettre en avant tes talents en freeride. C'est bien ce que je disais. Avec fluidité sur les descentes du coin. T'as fait très très fort. Non, c'est bon, j'ai compris le didacticiel, je peux pas l'enlever ça. Paramètres de jeu, activé, sécurité trick, CV trick. Langue et sous-titres. Non, je peux pas l'enlever. Bon bah voilà, on a fini avec ce petit objectif, là on est 1 sur 2 objectifs, obtient le bronze, challenge, dérapage à droite et la friche, ok. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo bah, vous aura plu, ce petit test de bêta sur Steep. Voilà quoi, un jeu... qu'on attendait tant, mais pour ceux qui aiment bien le ski et tout, franchement ça fait plaisir car vous pouvez avoir vos skis, un snowboard, un parachute pour l'atterrissage du wingsuit, un sport hard quand même. Ouais, c'est cassé la gueule, c'est le sport qui donne le plus de sensations extrêmes. Car en gros, vous volez vous-même avec vos bras, vos jambes, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut tout le monde.